Tiens, j'aimerais bien savoir si un booktubeur ou une booktubeuse a fait un booktube de mon roman. Booktube Brousouf Tour, Cécile Chartres. Bonjour chers lecteurs, bonjour chères lectrices. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre Brousouf Tour de Cécile Chartres qui raconte l'histoire d'un jeune garçon nommé Victorien qui... Marie-Lou, t'as rangé ta chambre ? Mon Dieu, quelle catastrophe ce booktube. Ce qui serait vraiment le rêve pour une écrivaine, ce serait de savoir si vraiment tous mes lecteurs ont bien lu mon livre. Bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner des brousoufs ? Aux candidats surtout, qui sont venus dans leur tenue de lecture habituelle, c'est-à-dire en pyjama. Voici l'équipe 1, les petits calamars. Et l'équipe 2, les chipirons. Et pour cette émission vraiment spéciale, j'ai invité les deux personnages principaux de mon roman. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Victorien, 14 ans. Et Colette. Sa grand-mère de 77 ans au compteur. Oh, il me connaît, je suis tellement ravie d'être ici. Merci Cécile. Jamais je n'aurais pensé de faire une émission télé avec Jean-Pierre, je voulais dire Cécile Chartres. Ah, vous reconnaissez bien là notre Colette, la plus bavarde des grand-mères. Nous allons pouvoir commencer la première question. Notre héros, Victorien, vit une adolescence. Réponse 1. Tranquille et joyeuse. Réponse 2. Heureuse avec une grand-mère très présente. Réponse 3. Un peu compliquée avec une maman en galère d'argent. Réponse 2. Mais non. Réponse 3. Crénon, c'est l'équipe Chiperon qui a la bonne réponse. Bravo. Enfin, pour moi, c'est pas facile tous les jours à la maison. Ma mère est infirmière et elle n'arrive pas à boucler les fins de mois. Allez, mon petit numérateur, ça va aller. Oh, Colette, c'est mon instinct qui m'appelle comme ça. C'est gênant, chut. Nous allons donc passer à la seconde manche. Le voyage fou de Victorien et Colette pour aller participer à un jeu télévisé pour gagner des brousoufs, de l'argent, va se faire. Réponse 1. En covoiturage et en stop. Réponse 2. Amoureux fier, TGV et taxi. Réponse 3. En avion, puis TER, puis bus de ville. Je vais laisser la parole au petit calamar. Réponse 1. Colette, je vous laisse le soin de valider ou pas cette réponse. Oui, bien sûr que c'est juste. Oh, c'était tellement fou cette virée. J'ai retrouvé toute ma jeunesse. Et cette rencontre avec Barbara, Raphaëlix et mon Jean-René. Colette, arrête, tu vas en dire trop. Il y a sûrement des gens en France qui n'ont pas encore lu le roman. Nos équipes sont à égalité et il va falloir les départager. Pour ça, une dernière question. Colette, va-t-elle gagner les brousoufs tant attendus ? Mais Cécile, qu'est-ce qui t'arrive ? Il ne faut jamais dire la fin d'un roman ! Mais je veux savoir si je suis lue, si on va au bout de mes romans et si on les aime ! Non, on ne vous donnera pas cette réponse. Même si on perd tous nos brousoufs. On ne voudrait pas gâcher le suspense, nous. On vous laisse découvrir la fin par vous-même. Allez, juste un indice. Et si on dansait ?